Kamidasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et on va faire une vidéo rappel. Donc une vidéo rappel sur un animé qui va faire son grand retour d'ici quelques mois sûrement. Ouais, plutôt possible je dirais bien. Voilà, donc cet animé qui n'est autre que Young Justice. Yep. C'est ça, donc Young Justice, animé qui a fait son apparition en 2010. Mmh. Voilà, donc la Young Justice, qui est une équipe, l'équipe des sidekicks de DC Comics, donc regroupant dans la première saison Superboy, ouais. Miss Martian, Robin, Robin de Dick Grayson, ouais. Aqualad, Kid Flash et Artemis. Donc chaque membre évidemment a une personnalité bien distincte et qu'on apprécie. Genre Superboy, c'est le mec vénère, c'est le mec qui est énervé, c'est le mec qui est rejeté par Superman. Ouais, ça, donc de manière normale et logique. Voilà. Aussi du jour au lendemain, tu me sors un clone de moi, je vais pas l'accueillir directement, tu vois. Et... après, il y a aussi Artemis, qui est la disciple du Green Arrow. Ouais, la deuxième sidekick de Green Arrow. C'est ça. Parce qu'il y a aussi Roy Harper qui est là. C'est ça. Ah bah tout le monde est là, de toute façon. Tout le monde est là, dans Young Justice. Après, il y a Miss Martian, qui est une martienne arrivée sur Terre et qui cherche à s'intégrer elle aussi. Ouais. Et qui, du coup, a été accueillie par Martian Manhunter, qui est un martien vert. Et elle... là, quoi. Une martienne blanche. Ah, mais tu le dis comme ça... En tout cas, au début, elle se fait passer pour une martienne verte. Ouais. Ouais. Bon. Aqualad, qui est donc disciple d'Aquaman, donc sur Atlantis. Et Robin. Et Robin, qui est bien évidemment le sidekick de Batman, et Kid Flash, le sidekick de Flash. Ouais. Et que dire, bah déjà que la série elle est super bien animée. Niveau animation, ouais, franchement, ouais, ça tient la route. Ça tient vraiment la route. C'est le top chez les carrés, quoi. Oui, voilà. Parce que c'est un animé américain, au cas où vous auriez pas suivi. On ne peut pas prendre les gens pour des cons. Non, mais bon, ouais, parce que bon, le fait de dire animé, tu vois, ça peut porter à confusion pour certains. Oui, mais après, le truc, c'est que... c'est là que tu... comme t'as bien fait de le dire, c'est le top du top des animés américains. Ouais. Parce que c'est clair qu'au niveau animé, les meilleurs, ça reste les japonais. Ouais, ils sont au top. Il n'y a rien à dire, ils sont au top du game. Tellement au top du game que des fois, les Américains, ils appellent pour faire quelques trucs. Ah oui, surtout Madhouse, pour ça. Ils ont fait beaucoup de collaborations. Bah, en termes d'animation, ils sont chauds. Ils sont très très chauds. Parce que l'autre jour, j'ai appris, ils avaient fait des animations sur... la série des Boondocks, tu vois. Ouais. Je me dis, putain, sérieux. Enfin bon, après ça explique pourquoi les scènes de combat étaient aussi clean, tu vois. Ouais. Donc, après, il y a... qu'est-ce qu'on peut dire vraiment sur l'équipe de la Young Justice? Bah, évidemment, ils doivent apprendre à se supporter. Ouais. Déjà, au départ, ils sont mis en équipe parce que la Justice League ne les considère pas comme étant prêts à intégrer la Justice League. Voilà, comme quand ils sont trop jeunes, trop ils sont pas assez expérimentés. Donc du coup, ils disent pour faire vos preuves, vous fermez votre propre petite équipe. Batman vous donnera des missions et vous devrez faire vos preuves sur ces petites missions-là. Quoi. Ce qui n'a pas plu à Roy. Voilà, parce qu'il dit on est relayé. Ouais, genre dès le départ, genre, on est quoi, ces conneries. Genre on est les petits, quoi. On est les petits, on mérite pas d'aller à la West Tower. Voilà, donc... même dès le début, ils auraient pas. Tu vois, ils peuvent même pas rentrer dans le hall, quoi. Le hall de Justice, là, c'est quoi là? Ouais, hall de Justice. Et, ils sont là dans la salle d'attente, s'il te plaît. Oh, sérieux, c'est chaud. Évidemment, j'aurais été énervé aussi. Donc, du coup, Roy, il décide de se tirer. Il dit moi, je vais faire ma carrière solo. Ouais, je ne suis plus Speedy. Voilà. Je suis Red Arrow. Voilà. Pour être original. Voilà, et du coup, les autres ils restent en équipe. Ils sont plus jeunes aussi, oui, ils sont plus jeunes, donc ils l'ont moins mauvaise quand même. Ouais,
Et du coup, ils doivent apprendre du coup à se supporter entre eux parce qu'il y a des relations quand même conflictuelles. Kid Flash et Artemis qui s'entendent pas au départ. Superboy qui s'entend pas vraiment avec tout le monde. Oui, c'est ça, surtout avec Miss Martian. Parce que Miss Martian, elle a un peu envie de se rapprocher de lui parce que voilà, dès le départ, elle est amoureuse. Ouais. En plus, elle ressemble au. Voilà, au gars de... au mec de la série. Quoi. Voilà. C'est ça. Dans le twist, quand tu l'apprends, tu dis. Ah ouais. Ouais. Mais du coup, à ce moment-là, quand j'ai appris ça, j'ai dit, oh, Megan, t'es un peu psycho. Quoi, non, c'est pas qu'elle est psycho, c'est que c'est excellent. C'est genre la coïncidence, c'est genre, moi déjà, je m'inspire de la meuf qui était dans la série pour prendre ma forme, et comme par hasard, je suis forcé d'habiter avec un mec qui ressemble au mec de la série. Où elle lui donne le prénom quand même. Oui. Non, quand même, je me suis quand même dit, t'es psycho, Megan. C'est psycho ton truc. Là tu fais. C'est-à-dire qu'elle est tellement complexée d'être une martienne blanche que bon déjà elle se fait passer pour une martienne verte. Oui. Mais en plus de se faire passer pour une martienne verte, elle veut copier une fille qui existe parmi les humains. Et elle veut même copier sa vie. Genre elle tombe sur un mec qui ressemble au mec de la série. Oh bah putain, il faut absolument qu'il y ait un truc avec lui. C'était un signe du destin. C'est pour ça. C'est un signe du. Bah, si c'est un signe du destin. Il aurait été préparé à ce que l'autre il arrive dans sa vie comme ça et qu'il soit forcé d'habiter ainsi. Si tu veux, mais pour moi c'est quand même psycho. Oui, c'est chelou. C'est quand même psycho, tu vois. C'est chelou. C'est que les autres quand ils voient la télé, ils font. Les diens, ouais. Ouais. Superboy quand il voit le générique et qu'il voit le mec, il dit. Non, mais c'est une coïncidence, c'est tout. Jusqu'au moment où ils ont le même nom, et. Ouais, voilà. Non, ça va pas. Non, psycho. Il y a aussi Robin qui doit se faire à l'équipe parce que lui, il est tellement habitué à être en équipe avec Batman qui doit s'adapter aux mécanismes avec sa nouvelle équipe, ses nouveaux coéquipiers. Ouais. Et ça, il a pas l'habitude. Ils sont pas tous pros comme Batman, quoi, parce que bon, lui, il est avec le plus pro des pros. Quoi. Oui. Donc, se retrouver avec des mecs qui ils sont pas formés comme lui, c'est pas. Ouais, non, puis en plus de ça, ils ont des automatismes, Batman et Robin. Oui. C'est genre, ils savent ce que chacun doit faire sur le terrain, tu vois. Et ce qui fait que là, du coup, Robin, il s'est lancé dans un truc, sauf que les autres, c'est pas Batman, ils savent pas vraiment. Tu vois. Enfin, ils vont faire des trucs, mais qui n'ont rien à voir avec ce qu'aurait fait Batman surtout, d'habitude. Surtout, ils sont plus nombreux, en plus, donc tu peux pas demander à tout le monde d'être toujours sur la même longueur d'onde. Voilà. Faut se briefer avant. Voilà. Donc, il a pas eu ce mécanisme-là. Non, mais c'était bien. Et ce qui fait que le leader de l'équipe, ça a fini par être Aqualad. Ouais. My nigga. Aqualad. Ouais. Mon négro palmé. Celui qui, au final, devient Black Manta. Ouais. Enfin, le. Wow, qu'est-ce que je raconte enfin, qui est le fils. Je suis là en train de valider alors. Oui. Qui est le fils de Black Manta. Manta ouais. Voilà. Le fils de Black Manta. Et. Il apprend ça à la fin de la saison. Ouais, le twist. Là, c'est le twist. What a twist! À la fin de la saison ou pendant l'ellipse? Oh, c'est pendant l'ellipse qu'il l'apprend. C'est pendant l'ellipse. Je me souviens pas qu'il l'apprend à la fin de la saison. Je sais plus, c'est vrai que ça fait tellement. Ça fait un moment. Non, je pense que c'est pendant l'ellipse qu'il l'a appris parce qu'il lui reproche à Aquaman de pas lui avoir dit. Parce qu'il l'a découvert pendant l'ellipse et puis, genre, c'est ça qui fait que. Ils ont l'impression que c'est ça qui fait qu'il les a trahis. C'est ça, et du coup on enchaîne sur la saison 2 où ça se passe 5 ans plus tard, et donc c'est ça, Aqualad a quitté l'équipe après avoir appris la vérité sur ses origines, ça et puis la mort de sa copine aussi. Enfin, la femme qu'il aimait en tout cas. Putain, non, c'est... Quoi? Non, cette histoire, ça m'a fait de la peine, tu vois, quoi. Oui. Dans la saison 1, quand il était revenu, je vais rester ici avec toi alors que on t'a tapé son pote. Il était pas au courant. Et après, là, il meurt. Non, mais... Il a pas de chance d'Aqualad. Ouais. Il a pas de chance. Au début, c'est son vrai nom, en fait. Caldoram. Caldoram, ouais. Non, mais... Ah, oui, non, il faisait tiep. Oui, oui. Et du coup, il est parti. Entre-temps, donc Dick est passé d'un ado de 13 ans à l'ado de 18 ans, donc il est devenu Nightwing. Donc c'est un Nightwing, fraîchement devenu Nightwing. Le leader.
Voilà, et leader de la Young Justice maintenant qu'Aqualad n'est plus là. Bon, et puis il y a un autre Robin aussi. Il y a un autre Robin, donc Tim Drake. La mort de Jason Todd nous a été teasée. Ouais. Comme quoi, on voit que. Parce qu'en fait, ils ont des statues holographiques, on va dire. Ouais. Des membres de l'équipe qui sont morts, ouais, ils sont morts au combat. Ouais. Et dans l'équipe. Enfin, que ce soit pas forcément que des membres de l'équipe. Ça peut oui, parce qu'il y a aussi le Blue Beetle. Voilà, il y a le grand Blue Beetle. Et on voit donc un Robin, donc on sait, les fans de comics savent que c'est Jason Todd, voilà. C'est évident. Donc il y a bien un Jason Todd qui se fait tuer par le Joker. Ouais, enfin. Le Joker a été pourri dans cette série quand même. Oui. Il était naze. Ouais, je suis d'accord. J'étais vraiment déçu du mec. Ouais, je suis d'accord, j'ai pas fan. C'est le seul qui a été foiré en fait. Je sais pas comment ça se fait. Non, je sais pas, mais c'est le seul qu'ils ont réussi à foirer. Oui, bon, de toute façon, c'est pas comme s'il avait une importance extraordinaire. Non, mais quand même, tu vois, ça fait quand même chier de voir qu'ils ont foiré Joker, alors que tous les autres ont été réussis. Que ce soit Poison Ivy, ou Bane, ou Lex Luthor, ou même les ennemis Flash, ils sont tous de la gueule. Alors que là, le Joker, Je suis d'accord. Mais pour le coup, je m'en fous, tu vois. Oui, je m'en fous parce qu'il n'avait pas une importance capitale, mais c'est juste que le fait de l'avoir vu dans un seul épisode. Je préfère qu'ils accordent beaucoup plus d'importance à Lex Luthor, tu vois. Oui. Parce que pour le coup, Lex Luthor est badass. Lex Luthor, là, c'est Lex Luthor. Ça, c'est mon Lex Luthor. Ça, c'est mon Lex, tu vois. Le mec méthodique, calme, réfléchi. Qui tire les ficelles dans l'ombre, tu vois. C'est ça. Très intelligent, tu vois. Et qui deal avec les aliens. Manipulateur. Surtout son deal avec les aliens, il était ça. Grand, de la prestance, tu vois. Chauve. Oui, chauve. Et chauve. Ça, c'est ton truc, ça. Chauve. En plus, il y avait sa garde du corps, merci. Là. Oui, elle était là. Je trouvais qu'elle était plus cool dans la série de 90. Ouais, parce qu'elle avait son petit chapeau, là. Cette petite casquette de chauffeur, Je la trouvais plus cool. Là, les cheveux longs, j'étais pas trop fan. Ouais, mais quand même, tu vois, je l'aime bien. Mais bon, elle était quand même cool avec son bras bionique, son combat contre Arsenal, j'ai kiffé. Arsenal, on verra après, parce que ça, c'était un moment fort de la série aussi. Ouais, c'est ça, de toute façon, la team Green Arrow, là, c'est compliqué. Oliver a des relations compliquées avec ses amis. Ouais, c'est compliqué. C'est beaucoup moins sympathique que Batman et ses sidekicks. Ah bah, voilà, c'est sidekicks en pas secret. Oui, voilà. Ça, je crois que c'est respecter les comics aussi, parce qu'Oliver, il a des relations avec ses proches qui sont pas top. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qui est développé dans la saison 2? Oui, déjà une plus grosse équipe. Plus de membres. Il y a Beast Boy, il y a Blue Beetle. Qui a une bonne origin story aussi. Et le fait d'avoir ses pouvoirs de métamorphe animalier, là, qui est relié à Miss Martian, là, c'était plutôt cool. Mais il y a Blue Beetle. Oui, qui est important. Qui est très important, dans la saison 2 et tout. C'est très très important. Il y a qui encore comme nouveau membre? Il y a l'autre, l'Atlante. La Goon Boy. Hein. La Goon Boy, exactement. Naze. Je l'ai trouvé naze. Je l'aime pas, c'est quoi? C'est avec son truc de poisson. Quoi, c'est poisson bas? En fait, c'est un Atlante donc, qui a subi des sorts, en fait. Il a touché à la sorcellerie, c'est ça qui est expliqué dans la saison 2. C'est que c'est un Atlante qui a touché à la sorcellerie, quoi. Ou à qui on a injecté des trucs bizarres, des sorcilèges. C'est pour ça que c'est le seul à avoir une dégaine de poison, quoi. Voilà. Bon, il y en avait d'autres, quand même. Bref, oui, il y en avait d'autres avec des gueules de poison. En tout cas, je m'en fous. Oui, mais ouais, il était pas intéressant, tu vois. Surtout qu'au bout d'un moment, son utilité, c'était d'être D'être là pour être le boucheron de Martian, de Miss Martian, tu vois. Exactement, c'était le triangle amoureux avec Connor et Miss Martian. Non, mais voilà, dès le début de la saison, je vois le truc, tu vois, il se parle pas avec Superboy, et puis l'autre, il est là, il arrive, il la galoche. Mais ça me faisait rire, Superboy, tu vois. Oui, genre, les couilles. Il s'en battait pas. De toute façon, c'est lui qui l'a largué. Donc. C'est genre, il passait à côté d'eux, il les regardait, les écoutait, puis avec un regard.
il se tirait. Ouais. Genre je ne les regarde pas. Il avait, mais on voyait qu'il avait la tête qui fumait, tu vois. C'est Babeuf. Costumez pas, c'est foutu. C'est Babeuf. C'est mon bail. Ta première meuf. Bah, oui. Première meuf à un si jeune âge. Mais bon, au final, on voit bien qu'ils vont se remettre ensemble. Oui, enfin, de toute façon, ils sont faits pour être ensemble. Et voilà. La Gunpowder, s'il te plaît. Dégage de là. C'est bref, à part ce vieux mec avec qui il y avait. Il y avait Bad Girl aussi. C'est ça, Bad Girl qui faisait son entrée. Mais on l'avait déjà vu dans la saison 1. Ouais, ça avait. Enfin, on avait vu Barbara Gordon. Voilà, elle a été teasée. C'est ça, mais du coup, on savait que Bad Girl existait parce qu'elle parlait avec Dick. Donc, c'est que Bad Girl existait, tu vois. Donc, ça fait un moment qu'elle est Bad Girl. C'est jusque-là, elle est rentrée dans la Young Justice, 5 ans plus tard. Il y a Wonder Girl aussi. Wonder Girl, ils étaient, j'aime bien Wonder Girl. Oui, elle est bien, elle est un peu simplette, mais c'est ça. Ça change des autres, c'est bien. C'est ça. Donc, du coup, elle est sympathique. Mode Amazon, tout ça, tu vois. Vraiment balèze en plus. Bah oui, tu vois. Donc c'était cool. Il y en avait d'autres. Et l'autre, là, comment... c'est pas Bumblebee, là. Exactement. Là, exactement, Bumblebee, ouais. Avec le gardien. Exactement. Le gardien aussi. Le gardien. Là, lui, je l'aimais bien parce qu'à la base, c'était genre le mec, du lycée. Oh, enfin, un peu couille, un peu con, tu vois, c'est genre le cliché un petit peu. Le cliché du mec qui se la joue, tu vois. Le cliché un peu mode, mode quarterback un peu. Oui, voilà, le boss de l'équipe de foot, quoi. Voilà. Tu vois, son personnage, il a changé, bon, avec l'ellipse quand même, mais il a changé, c'est devenu un personnage intéressant, tu vois. Le fait de le voir galérer avec sa meuf qui est en train de vivre de super-héroïne, et puis... d'avoir tous ses potes qui sont des super-héros et puis de voir travailler avec eux. Bah, au final, il le devient. Oui, il le devient. Bon, c'était bien fait aussi, c'était pas du toujours plus non plus. Il a fait son jeu. C'est vrai. Puis après, c'est tout. Là, on a fait le tour des membres de la Young Justice en saison 2. Ouais, et puis il y avait aussi Zatanna, mais. Ouais, bon, on la voyait pas beaucoup. Ouais, mais on bon, elle est quand même là. Quand même là. Le bail de Dick. Bah, il fait pas plus ou moins partie de leur bande aussi, Shazam. Oui, il fait partie de leur bande, mais bon, vu que lui... voilà, il y a le problème Shazam. Le problème Shazam. C'est-à-dire que lui, il est un peu entre les deux équipes, voilà, la Young Justice et la Justice League. Il a la puissance et tout ce qu'il faut pour être avec les grands, sauf que c'est un gamin. Yeah. Donc... c'est compliqué, quoi. Surtout que, bon, en plus, c'était caché. Il y a la plupart qui ne le savaient pas. Oui, c'est ça. Il était cool. C'est ça. Ce pauvre type qui n'aura jamais de film. Enfin, bref. Tu vois, et après, qu'est-ce qui s'est passé dans la saison 2? Donc, oui, c'était la menace. Donc, menace extraterrestre. Ouais, ouais. Et... arrivait pas à mettre des pilules, ces salauds là. C'est ça, ils voulaient faire boire leur boisson. Ouais, genre on vient s'intégrer à vous. Faites avec l'exfuteur, ouais. Et puis cracher sur la Justice League. Ouais. Plus la Justice League était absente parce que à cause de la fin de la saison 1, là ils étaient. Ils ont été wanted. Ils ont été manipulés. Ouais, ils étaient wanted. Donc il y a Superman, légitime. Batman, Wonder Woman, Green Lantern. Il y en a deux. Non. Green Lantern, Jon Stewart. Jon Stewart. Il y avait Jordan, quoi. Il existe, mais là c'était Jon Stewart, qui faisait partie de Hawkgirl et Martian Manhunter. Ouais, c'était eux qui étaient. Ouais, c'était eux qui étaient. Non, il n'y avait pas d'autres membres, c'était que ceux-là. Mais bon, oui, mais sinon, leur équipe était plus grande. Oui, leur équipe. Il y avait encore Aquaman, Flash. Ouais, mais il y avait vraiment que. Et Tornado, le Sensei. Aussi, dans la saison 1. Ouais, dans la saison 1. Il était cool d'ailleurs. Oui. Puis j'aime bien qu'on en fasse vraiment une machine. Bah oui, bah pourquoi en faire autre chose? Non, mais je veux dire, quand on lui donne un visage humain et tout, j'aime pas. Non, fuck. Je trouve ça débile. Laisse-le en mode Android, c'est bon. En plus, ici, il remplissait très bien son rôle dedans. Ouais. À moins de s'appeler Vision, tu vois. Oui. Vision, j'accepte à la limite, mais Red Tornado, ouais, pas chaud. Surtout si c'est pour faire des tornades et compagnie. Ouais, bah, ouais, je sens. il y avait j'aimais bien aussi la relation Green Arrow et Black Canary, ils étaient bien les deux. Black Canary en mode coach pour tout le monde,
psychologue de temps en temps aussi. Oui, aussi. Vraiment utile. Madame est badass. Oui. Oui, elle casse des bouches. D'ailleurs, je me rappelle d'une scène dans la saison 1 qui m'a fait rire, c'est Miss Martian qui s'était transformée en Black Canary et qui embrassait Connor. Je suis dit, il se passe quoi là. Puis Oliver qui faisait qu'est-ce que t'as fait? Il se passe quoi là? Il t'arrive quoi? Bon, après, quand il a vu le truc, il s'est tapé des barres. Parce que... Ouais. Quand même. Ça, encore une fois, ça fait partie des petits trucs que Miss Martian n'avait pas encore assimilé au niveau des coutumes humaines. Elle n'est pas vraiment dans la coutume humaine, donc elle se permet des trucs qu'il ne faut pas faire. Et lui ont dit c'est mal. En plus, ces petits trucs de psychopathe, là, de psychopathe naïf, tu vois. Ouais. C'est innocent, tu vois, mais ça reste psycho. Voilà, le truc de Connor en tête. Plus elle aussi, elle est cheatée. Elle est complètement cheatée. Le moment où ils sont censés être dans une simulation psychologique, là, c'est ça. Ah, oh, Miss Martian, elle est complètement cheatée. De toute façon, on le voit en saison 2. En saison 2, c'est le top du top. Alors, elle a fait des progrès et tout, donc elle est complètement cheatée. Comment elle les lobotomise, les mecs. Non, mais laisse. Après, ce que j'avais à apprendre, dégage. Mais faut réussir à... Mais, tu vois, elle est cheatée, mais je trouve qu'à chaque fois, ils réussissent quand même à trouver des situations pas la brider, du coup, parce qu'elle a ses pouvoirs, mais pour contourner ses pouvoirs, genre le moment où il y a Deathstroke qui est dans un vaisseau... parce que, genre, elle est enfermée dans le vaisseau sous-marin de Black Manta. Oui, il faut qu'elle répare ses conneries. Voilà, qu'elle répare ce qu'elle a fait à Wallad. Elle m'avait énervé, putain. Elle était pas au courant, oui, voilà. C'est une des conséquences du fait qu'ils avaient fait leur truc en sous-marin, quoi, mais elle m'avait fait chier parce que... Si elle avait été au courant, elle aurait pas fait ça, tu vois. Oui, mais elle m'avait fait chier quand même, parce que tu utilises pas tes pouvoirs comme ça, merde. C'est au moment où elle foutait la merde avec ses pouvoirs, donc c'est une conséquence de ses conneries aussi. C'est ce que Connor lui disait, t'as pas le droit de faire ça, pour qui tu te prends. Mais voilà, mais en gros, elle était enfermée dans le truc. Puis loin derrière, il y avait Deathstroke qui avait une télécommande pour l'électrocuter au cas où. Mais c'est genre, il était hors de portée du comment dire, du champ d'action de Megan pour qu'elle puisse pas lui faire un truc. Ouais. Tu vois. Donc ça, c'était intéressant. Tu vois. Non, mais ils avaient des moyens pour faire des bons trucs. Ouais, bon, de toute façon, c'est efficace. Young Justice, c'est vraiment une très très bonne série. Ouais, c'est excellent. C'est très très bonne série. C'est... Là, les scènes d'action, quoi. Quand ça se met sur la gueule, ça se met sur la gueule. Ouais, les scènes d'infiltration aussi sont pas mal. Ça, c'était vraiment le point fort de la première saison. Le deuxième aussi. Ouais, mais c'était quand même à base de ça dans la première saison. Parce que c'était vraiment les petits qui devaient à chaque fois s'introduire dans tel ou tel truc, tout en utilisant leur camouflage. Ouais, bon, après en saison 2, on retrouve. Saison 2, il y avait toujours ça. Il y avait toujours ça. Mais je préférais cet aspect dans la première saison parce que. Leur équipe était moins forte, qu'ils étaient moins nombreux, que c'était leur petit groupe, quoi. Que vraiment, c'était chacun utilise ses capacités, et puis voilà. Ben. Alors, en tout cas, Young Justice, c'est vraiment une très bonne série. C'est vraiment une série qu'on a aimé regarder. C'est vraiment la série dans la lignée de... Des séries Justice League, Batman et tout ça. Ouais. Une série qui prend pas pour un idiot. Elle en est digne. Très digne. Parce que c'est la seule série DC Comics qui est digne de rentrer dans ce cercle-là, tu vois. Oui. Ce cercle très fermé. Enfin, en tout cas, dans les séries récentes, là, tu vois. Parce que, voilà, quoi. Bon, c'est Teen Titans, quoi. Justice League Unlimited, Batman The Animated Series. Batman Beyond, Superman, la série animée Superman, aussi. Superman, Static Shock. Static Shock. Après... Ouais, après, c'est Young Justice, hein. Bon, il y a Teen Titans aussi. Ah oui, Teen Titans, c'est vrai. Oublié. Teen Titans, voilà. Et après, c'est Young Justice, hein, parce qu'après, tout ce qu'on a eu derrière... Foutaise. Ouais, il n'y a rien de potable dans ce qu'on a eu après, ouais. À part Young Justice. Ouais. Donc voilà, donc du coup, ça c'était la vidéo rappel sur Young Justice. En attendant la saison 3. Oh, c'est ça, en attendant la saison 3. Les nouveautés qu'ils vont apporter, les nouveaux personnages. Mm-hmm. Voir comment ils vont gérer le cliffhanger d'enculé de la fin de saison 2. Là. Exactement. Avec l'arrivée de Darkseid et tout le tralala. Mm-hmm. Voir quels nouveaux personnages ils vont introduire ensuite. C'est ça.
D'ailleurs, on repense à quand ils ont introduit Lobo, tu vois. Le mec, je m'y attendais pas à ce qu'il arrive tantôt. Il arrive dans le game avec sa moto de l'espace, tout. Putain, ils ont les couilles de. Lobo! Il a cassé des bouffes. C'est bien Lobo. Oui, du coup. Il leur a fait du sale. J'ai failli garder un truc, mais bon. Non, là, commence pas. Bah, non, mais j'allais dire, tu vois, je veux le voir introduit dans le DC Extended Universe. Oui, mais non, il est pas assez. Tu vois, il est trop. Il est trop funky. Voilà, trop funky, trop fun pour leur univers. Tu vois. Bref, voilà. Bref, enfin, bon, c'était. Ça, c'est un vrai univers, c'est ça le truc que je veux dire. Ah, bah oui, bah, oui, l'univers du Justice, c'est. J'aimerais qu'il s'étende, tu vois. J'aimerais qu'il s'étende et qu'il fasse une série Superman ou même une série Batman qui soit dans cet univers. Parce que. Ils utilisent les mêmes. Parce que ce style d'animation, là, ça fait quelques temps qu'ils le réutilisent dans les films. Et pourtant, ça n'a rien à voir avec leur truc. Genre, les Justice League. Attends, c'était. Justice League War. Même le dernier, la Justice League contre les Teen Titans, c'était le même délire. D'ailleurs, eux aussi, je sais pas si ils vont faire une apparition là-dedans. Starfire, Cyborg, je sais pas s'ils vont être là-dedans. Ce serait cool de les voir d'ailleurs. Ce serait bien, en fait, tout simplement qu'on ait une série sur qu'il y ait d'autres séries sur d'autres personnages, un peu, tu vois. J'aimerais bien avoir une série animée où Wonder Woman, tu vois. Ouais, bah ça serait cool, ça. Putain, je kifferais à mort. J'aimerais bien avoir une série animée, je sais pas, moi. Green Lantern. Ça, Superman et Batman, non, parce que, enfin, oui, ce serait cool, mais bah, ça Superman, déjà été oui, ce serait temps qu'il leur fasse une, qu'il en ait une nouvelle. Lui, il en a pas eu depuis les années 90, alors que Batman, il en a eu quoi, 3. Et je crois même pas la relève. Ouais, mais après, je veux dire, c'est pas la priorité. Parce que oui, c'est pas la priorité. Ils ont déjà assez d'attention comme oui, ça. Tu vois. On fait des films sur eux, on fait des séries animées. Alors, surtout Batman, mais Superman aussi, quand même. Tu vois. Donc, tu vois, je préférais des personnages qui ont reçu un peu moins d'attention de la part de Warner. Tu vois, parce que voilà, ils s'en battent les couilles de leurs personnages. Nous ne reviendrons pas là-dessus. Voilà. Et voilà. Mais putain, fait des trucs sur d'autres personnages. Wonder Woman, Flash. Une série animée Aquaman. Green Lantern. Vous pouvez faire ça. Ouais. Bah si, ils peuvent. Oui, ils peuvent le faire, mais après, mon intérêt ne serait pas le même. Mais encore, Shazam, quand je l'ai vu dans cette série, je me suis dit, c'est un potentiel ce truc. Oui. C'est un potentiel en saut. Oui. Tu vois. Et ouais. Ça serait tellement cool, mais non, il n'y a rien. Mais Shazam, il aura dit. Ni série animée, ni film. Donc voilà, ça, il faut s'habituer à cette idée. Voilà, c'est comme ça. Bref. En tout cas, voilà, c'était la vidéo rappel sur Young Justice. Donc on verra ce qu'on va faire la prochaine fois. De quoi on va parler la prochaine fois. On a notre petite idée. Ouais, on a notre petite idée. On a notre petite idée. Nous ne dirons rien. Mais voilà. Donc là, c'était le rappel sur Young Justice. En attendant la saison 3. Si vous avez vu. Re-regarder la série, parce que je suis sûr qu'il y a des easter eggs que vous avez ratés, parce qu'il y en a un paquet dans ce truc. Oui. Il y en a un paquet. Mmh. Et si vous avez toujours pas regardé, vous attendez quoi, merde? Vous attendez quoi? Si vous avez pas regardé, c'est une vidéo rappel, donc il fallait pas regarder. Mais même là, c'est spoilé. Mais même, on n'a pas spoilé tant de trucs que ça, parce qu'il y a encore plein de trucs à découvrir. Oui, c'est vrai. Parce que même là, tout à l'heure, on a dit qu'on allait parler d'Arsenal et toutes ces conneries-là, mais. On n'a rien dit dessus. Yeah. Donc les gens, ils peuvent toujours découvrir ce putain de twist. Oui, c'est vrai. Ça c'était cool ça. Enfin bref, c'était la vidéo rappel sur Young Justice. Ouais. Tchuss.